Allez, c'est parti. Ça y est, là, il est complètement détendu. Autant de tout à l'heure. On a effectivement la partie santé, donc la partie soins, mais il y a toute la partie activité derrière, où là on doit aussi les accompagner vers autre chose en fait que le soin. On doit impérativement s'assurer aussi de les ouvrir vers le monde social et culturel. Toi. Donc pour nous c'est important de trouver, enfin de leur apporter d'autres outils aussi. Quoi. Oh putain. Donc on peut constater quand même quand on a communique beaucoup. Hein. Ah le froid. C'est froid tout à l'heure, tu disais que c'était chaud. Ouais. Ah bien. Oh. Alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu à Vincent? Ok. Est-ce que tu travailles dans ton bain? Pendant le bain? De quoi? Je sais pas. Aïe. Ah Dieu, arrête donc. Des étirements? Est-ce que ça te fait du bien le bain, Antonin? Ouais. Ouais. Est-ce que ça te détend? Ouais. Ouais, tu nous l'as dit tout à l'heure. C'est sûr que de nous voir avec le sourire aussi renvoie une image positive et leur donne aussi ce bien-être et l'envie d'être heureux et joyeux. Moi, dans la vie de tous les jours, je déconne pas mal, donc j'essaie au maximum aussi de ne pas tricher, en fait, d'être avec eux comme je suis aussi au quotidien dans la vie de tous les jours. Et ça les aide aussi. C'est un satire, Étienne, t'as raison. Non. Arrête de te dire. T'arrêtes de te dire. Allez, on souffle. C'est une unité de vie en fait, donc ils sont là chez eux. Donc ils doivent être ici comme ils pouvaient l'être auparavant auprès de leur famille, etc. Quoi. Et puis, moi je sais que dans mes accompagnements, j'attache une grande importance à ça.